une offense encore. mais cet élan populaire n'est pas à hauteur pour un parti de masse. Ce n'est pas le moment de parler de l'avenir, de l'avenir immédiat. Je vous dis, quand il y a un déploiement spontané de militants autour de la dépouille de leur chef, chez le roi, on dit que le roi est mort, vive le roi. Je pense que l'avenir de Barou est radieux. Il faut le voir se construire dans le cadre de la milité. La discipline et l'unité, c'est l'avenir soit agréable. Il a été un mentor, j'ai été son collaborateur au cabinet quand il était Premier ministre. Il m'a fait venir de loin pour travailler avec lui. Et loin d'être un mentor, il a été un initiateur politique. Le survivant doit continuer le combat jusqu'au bout. Et Parti Chantal Kizenga, depuis 60, il a continué la lutte jusqu'à maintenant. Parce que même, il a signé la dernière signature, c'est le message de félicitations d'actuel de nouveau président. C'est-à-dire jusqu'au petit matin, il a signé, il a travaillé pour le peuple congolais. Ça c'est un. Deux, la bravoure. Ça c'est la bravoure. Un, trois, la justice. Il n'aimait pas la justice. Il n'aimait pas la corruption. En tout cas, ça ne pouvait pas avoir droit de citer dans ce qu'il pouvait faire. C'est pourquoi vous voyez que le parti Lumumba signifiait lorsqu'il est organisé, et même pour dans les cellules, c'est bien organisé. Ça, c'est le 3. 4, ce que j'ai aussi retenu de lui, c'est qu'il est respectueux des textes. Je peux vous citer autant, nous pouvons écrire un livre à cause de cette icône de la scène politique congolaise. Vous vous souvenez, les derniers anniversaires ici, lorsque l'ambassadeur russe est venu. Il pouvait montrer les tableaux lorsqu'il a combattu à l'Israël. Il dit que c'était pour la liberté du Congo qu'il a combattu. C'est un homme, vous verrez, je peux me souvenir, j'ai vu le président de Corée, moi-même j'ai assisté à l'audience qu'il est venu lui accorder. Vous savez, le président de Corée a pleuré, a même baisé sa photo. C'est comme un dieu pourrait en Corée. Peut-être le peuple congolais ne le connaît pas, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez lire les tableaux qui sont là. En fait, c'est parce que c'est la nouvelle génération. Si c'était les 60, c'est pourquoi ceux de 60 et de 67, 65 sont restés fidèles à son discours parce qu'il a voyagé à travers la République. Les images sont là, les témoignages, vous lirez dans son livre Mélite, Ma vie est Mélite. Mais si la génération d'aujourd'hui pouvait connaître cet homme, je pense qu'au Congo, il n'y a plus qu'à part Lumumba, il n'y a pas après Lumumba. Lorsque Lumumba est parti, je ne pense pas que c'est lui qui peut être égal au Parti Chantal Kizenga. C'est le père de la démocratie bipartite. Il nous a légué l'héritage de pouvoir faire avoir deux grands partis politiques ici au Congo, comme ailleurs, sous notre ciel. C'est-à-dire, nous devons être gauche-droite. Je pense déjà, avec la révision de la loi électorale, aujourd'hui nous pouvons assister un peu à cette bipolarisation de la classe politique congolaise. Ça, c'était son combat. D'ailleurs, c'est consigné dans les statuts du Parti communiste. Et lui, c'est le père de la démocratie congolaise. Il a lutté pour le retour de la démocratie ici au pays. Parce qu'en fait, la démocratie est allée en exil lorsqu'on a tué Lumumba. Mais quand il est allé 26 ans après, il revient, il a combattu pour le retour de la démocratie. Donc, voilà. Si vous me demandez sur lui, je peux donc vous écrire des paroles, justement, beaucoup de volumes de livres seulement pour les partis. Merci.